Recule encore! Vas-y! Encore! On a largement le temps. Comme les flics sont occupés avec tout ce sable, on va dévaliser cet endroit. Allez, on charge! C'est lui! Fracasse-le! Un vol d'armes? Je vais pas laisser faire ça! Je poursuis le plan! Ça va, mon pote? C'était l'idée de J d'installer ce club de tir en ville, sérieux! Je vais te démolir! Je vais lancer une pétition! Pour faire remplacer tous les clubs de tir par quelque chose de mieux! Dans un club de compliments! Les compliments, ça fait de mal à personne, et c'est gratuit! Rassure ta tête, Spider-Man! Par exemple, t'encaisses les coups de poing comme personne! Bravo! Hey! Je crois bien que je tiens un truc! Moins d'armes, plus de compliments! Allez, on se fait! Attention! J'arriverai jamais à dégager! Je les écrase! Ils étaient nombreux. Ils ont profité que la ville soit recouverte de sable. J'aimerais bien savoir quelle mouche a piqué Marco. D'autres arrivent. On va les réceptionner. À la Spider-Man. Super pouvoir. Les gars, mon appli est toujours HS. Je sais, j'essaie d'innover. Laissez-moi une minute, je vous rappelle. Eh ben, tu crois qu'il m'a... Le stress et la colère se ressemblent parfois. Concentre-toi sur les gens qui ont besoin de toi. Là, c'est toi qui as l'air énervé. Je suis pas énervé, Miles. Je suis concentré. Ouais, ma mère dit ça aussi quand elle est énervée. Hey, on se connaît depuis longtemps. Franchement, tu m'as déjà vu m'énerver? Laisse-moi réfléchir. C'était une question rhétorique. Je sais. La fois où on jouait à un jeu de société chez toi et que t'arrêtais pas de perdre. J'étais pas énervé contre toi, mais contre tout l'univers. Je vais te la voir. On va se le faire! La nouvelle appli compile. Tant qu'à faire, je me suis dit autant lui donner un coup de neuf. Pas besoin de faire compliqué, hein. C'est juste pour voir les demandes des citoyens. Carrément. Pendant que le patch s'installe, faut élargir le réseau. Appelons d'abord Miles. Par ici. Elle avait du mal à respirer. Miles, t'es dispo? Qu'est-ce qu'il y a? Va sur le toit du bâtiment à côté. Hey, t'avais l'air stressé tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'est juste que j'ai plein de trucs à faire. J'ai faim et en plus, il n'y a plus que des crackers sans sel dans le distributeur. Ah ouais, ça craint. Je m'en remettrai. Hé, je suis enfin sur la mise à jour de l'appli dont je t'ai parlé. Grâce à un coup de main de mes amis. Oui, c'est un jeu de mots. Enfin, tu peux pas encore comprendre, hein. Mais ça va pas tarder.
Ok, j'y suis. Il doit y avoir un lanceur dans les parages. Je vois rien qui ressemble à un lanceur. Peut-être qu'il est sous le sable. Ok, je vois le lanceur. Je fais quoi? Tu vas imprimer un ami. Ça y est, j'ai compris. AMI, ami. Laisse-moi deviner. Appareil mobile d'interconnexion? Presque. En fait, peu importe. Mais sache que les signaux sont traités par corrélation spatiale et temporelle. Des calculs à distance? T'es un génie, Ganki. Oh, arrête. J'ai marqué un itinéraire pour optimiser la stabilité du réseau. Si tu le suis, on aura un meilleur signal. Le réseau local est connecté. Nouveau crime signalé. Je le vois. J'y vais. On dit que Spider-Man était au club de tir. Faut se manier avant qu'il arrive. Coucou. Besoin d'aide? Vous avez perdu vos clés? Il y a un serrurier un peu plus haut. Vous êtes combien pour un seul faucon blindé? C'est un peu exagéré, non? Au lieu de voler, vous pourriez peut-être, je sais pas moi, m'aider à sauver des gens. T'es mort, Spider-Man. Dans le centre, jette Gloria au Fist. Oh, est-ce que tu as vu Monsieur Sumida? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas Spider-Man qui va te faire rentrer à la fac? Je vais m'en occuper, man. Promis. Faut que j'y aille. Spider-Man! Enfin, un jour. Jette un œil. Ouh, pas mal. Il y a une nouvelle requête. Ganki, beau boulot sur l'appli.
Ça va aider plein de gens, ça. Merci. Miles, occupe-toi de ces requêtes et retourne au lycée. Conduite de gaz. Un cristal? Je vais aller voir. Merci, Spider-Man. Le cristal est là-bas. Il n'y a pas que... Échappé? Non, je suis au raft. Il est juste devant moi. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Tiens bon, je vais aller parler à ces médecins. Que l'esprit de Marco était bouclé. Il a littéralement éclaté en morceaux. Flippant! Et pourquoi ces mecs de sable en ont après moi? C'est sûrement des morceaux de son inconscient qu'il cherche à protéger ce qu'il y a dans le cristal. Écoute ça, c'est important. Si tu retrouves tous les morceaux, il risque que ça pourrait peut-être réparer son esprit. Eh ben, ça a pas l'air simple, la vie d'un homme sale! Ok, Marco. Qu'est-ce que ton inconscient voulait protéger? J'étais avec toi. Et l'instant d'après, t'étais plus là. Un cristal qui parle. Ok. On dirait qu'il renferme un souvenir de Marco. MJ a dit qu'il y avait d'autres cristaux éparpillés à travers la ville. Je ferais mieux. J'étais avec toi. Et l'instant d'après, t'étais plus là. D'ouvrir l'œil. Hey, tu veux t'occuper de la dernière requête ? Une histoire de VIP coincée dans une limousine. Je gère. Ganki, Monsieur Sunida est toujours là? Oui, il est avec Ellie en ce moment. Elle essaie de le retenir. Cool. J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire. Tu l'as pas encore fini? Tu sais, vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU, je pourrais t'aider. Non. C'est déjà trop pour moi. En plus, si tu m'aides à entrer à la fac, tu vas pas arrêter de la ramener avec ça. Ouais, c'est vrai. Hé ! Approchez pas de cette limousine ! C'est l'araignée ! Tuez-le ! Tiens, prends ça ! Les paparazzi, c'est déjà pas cool ! Mais des paparazzi armés ! Vache ! Colle ! Ce que vous faites, c'est pas joli ! Alors, pourquoi vous pouvez pas les laisser vivre leur vie ? Il va nous balancer le truc.
Prends ça, mon pote! Voyons qui se cache dans cette limousine. L'hôpital. J. Jonah Jameson. Je dois prévenir Spider-Man. Ok, monsieur Jameson. Je vous emmène à l'hôpital. Spider-Man, faut que tu viennes voir qui est notre VIP mystère. Ce suspense est insoutenable. Je ferme une borne incendie et j'arrive. Monsieur Jameson, c'est Spider-Man. Vous m'entendez? J'arrive! Sur ta gauche! Hé, hey, Spider-Man! Regarde qui c'est! Ah, où est-ce que... Spider-Man! Jonah, mon petit rayon de soleil! Tu vas bien? Au secours! C'est un kidnapping! Hein? Mais non, j'essaie de vous sauver, là! Que quelqu'un prenne une photo! Des criminels masqués kidnappent un célèbre journaliste! Ah, oh, ce bon vieux Jonah! Soyez plus sympa avec le docteur! Oh, ils m'ont kidnappé! J'étais pas consentant! Ah non! Aïe! Des dangers publics! Voilà ce que vous êtes, des dangers publics! Mais J. Jonah Jameson ne se laissera pas faire, vous entendez? Je me laisserai pas faire! Eh, hey, vous faites quoi, vous? Oh, où est-ce que vous m'emmenez? Monsieur Parker, où êtes-vous? Principal Evans, bonjour. Oui, 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 c'est moi, Peter Parker. Je suis désolé, j'ai eu une urgence et... Oh, j'en reviens pas d'avoir fait ça.
Où est Monsieur Sumida? Ah, et il vient de partir. En vacances, il me semble, si j'ai bien compris. Mais avant de partir, il a acheté une de mes peintures. Il dit que je serai célèbre un jour. Quoi? C'est incroyable, Hailey. Et aussi, pendant que t'étais occupée, j'ai appris que j'avais obtenu la bourse Rand. Non, tu rigoles? Je te jure. Attends, mais c'est de la folie. Ouais. Oh. Grosse journée pour tout le monde. J'ai vraiment tout loupé. Oh non, je veux pas voir ça. Et en même temps, c'est plus fort que moi. Principal Evans. Bah alors, regardez qui nous rend visite aujourd'hui. Je sais, j'ai pas fait bonne impression. Ça c'est sûr. Je suis désolé. Ouais, vous pouvez l'être. Oui, je sais. Mais cette attitude est inadmissible. Ce qui s'est passé, ça se reproduira plus jamais. J'en ai plus que marre. Non, attendez. Vous n'avez plus d'excuses. Votre travail est de protéger les élèves, pas de les abandonner. Vous êtes viré. Ça craint. Eh ben, être Spider-Man, c'est pas évident, si tu veux garder un taf. Mais non, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Salut. Je suis désolé pour ton boulot. T'étais pas le pire prof qu'on ait eu, si ça... Tu crois que je peux mettre ça sur mon CV? Ok, écoute. Ils sont en recherche de photos au New York Bulletin. D'ailleurs, hier, j'en ai envoyé une. Ça rapporte pas une fortune, mais c'est déjà ça. C'est le journal de Robbie Robertson? On a travaillé ensemble au Bugle. Je crois que je sais ce qui lui plairait. Merci, Miles. Y a pas de quoi. Je lui enverrai peut-être d'autres photos aussi, si j'ai le temps. Robbie disait toujours, je veux pas voir la ville. Je veux voir New York. Thank you.